200 millions d'hectares, 65 fois la taille de la Belgique. C'est la surface sur laquelle s'étend la forêt tropicale en République démocratique du Congo. Et c'est un Éden pour la vie, un havre et un foyer pour certains. Mais lorsqu'on n'en a pas l'habitude, c'est un milieu qui peut s'avérer hostile. La santé de ces environnements et de toute la vie animale et végétale qu'ils abritent est liée à nous et nous à la leur. Cette idée même que la santé de l'environnement, des humains et des animaux sont liés porte un nom. Un nom qui invite les scientifiques de toutes disciplines, les médecins et les vétérinaires, à collaborer. One Health, une seule santé. Il y a peu, toutes les sociétés dans le monde ont été bouleversées par la maladie de la Covid-19. Le mot zoonose, jusqu'alors inconnu de la plupart des gens, était sur toutes les lèvres et a commencé à faire couler énormément d'encre. Ces maladies, transmises des animaux vers les humains, ne sont pourtant pas nouvelles. Et l'histoire en est ponctuée. Malheureusement, de nombreuses études scientifiques prévoient qu'elles risquent de se multiplier à l'avenir. Sur le banc des accusés, nous retrouvons comme souvent les mêmes responsables. Nous, les humains. Comprendre comment les pathogènes sont transmis d'une espèce à l'autre et voyagent dans l'environnement est donc essentiel. Les animaux, les humains, les plantes abritent toutes sortes de pathogènes, dont les virus. Pour la plupart, ils sont inoffensifs. Mais certains, par contre, peuvent être dangereux, voire mortels. Ces minuscules organismes n'ont pas de pulsion assassine visant à maximiser le nombre de morts. Malheureusement, les stratégies qu'ils adoptent pour se reproduire et survivre peuvent entraîner des effets néfastes chez les autres qu'ils infectent. Ils circulent dans des écosystèmes qu'il faut imaginer comme des réseaux complexes. Ils se transmettent via les matières fécales, la salive, le sang, etc. Ils se retrouvent ainsi dans un organisme, peuvent être transmis à un autre d'une même espèce, et même sauter entre des espèces différentes. Ils peuvent aussi utiliser des hôtes intermédiaires, tels que les moustiques et les tiques. Les perturbations que les humains amènent dans un écosystème peuvent complètement changer la façon dont ces réseaux complexes fonctionnent. Par exemple, la déforestation peut amener de nouvelles espèces à coloniser l'environnement, et d'autres à disparaître. De ce fait, la circulation des pathogènes est modifiée. À l'heure actuelle, la communauté scientifique s'accorde sur un certain nombre de théories ou effets qui expliquent la circulation des pathogènes dans l'environnement. Mais ces théories sont loin d'être complètes et exhaustives. Elles s'appliquent sous certaines conditions et pas d'autres. Il est donc nécessaire de tester sous quelles conditions elles s'appliquent et de voir si d'autres théories ne sont pas envisageables. Avec tout cela, vous comprenez donc que les perturbations humaines induisent de gros changements dans la biodiversité. Mais une question demeure. Quelles sont les conséquences de ces changements sur la circulation des pathogènes? C'est en partie pour répondre à cette question que nous, avec 16 collègues de 3 universités congolaises et belges, nous sommes rendus au milieu de la forêt tropicale, en République démocratique du Congo. Rejoindre Nkanamango s'est déroulé en plusieurs étapes. De Bruxelles, nous nous rendons dans la capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa. Ensuite, nous nous rendons par un vol local à Boende, la capitale de la province de la Tchouapa. Depuis Boende, il ne reste maintenant plus que 80 km, parsemés d'obstacles, jusqu'à Nkanamango. Ce village n'a pas été choisi au hasard. Il a été l'un des premiers frappés par une terrible épidémie d'Ebola en 2014. C'est donc un point de départ idéal pour notre étude. Aussi,
la santé de la population locale à Inkanamongo est directement liée à l'environnement dans lequel elle vit. Une partie de l'alimentation des habitants d'Inkanamongo est constituée de viande de brousse qu'ils chassent dans la forêt. Cette viande est une source importante de protéines, mais elle peut également porter des virus. Pour pouvoir répondre à nos hypothèses, il faut donc déterminer quelles espèces animales portent et propagent ces virus. Et ensuite, on pourra chercher quelle est l'influence des changements de la biodiversité sur ces espèces. Inkanamongo doit s'habituer à notre présence, et il faut un certain temps pour gagner la confiance de ses habitants. Mais nous y arrivons, petit à petit. Les habitants ne sont pas vraiment habitués à voir des scientifiques et certainement pas équipés comme nous l'étions. Malheureusement, ils y associent aussi de mauvais souvenirs avec l'épidémie d'Ebola en 2014, qui avait amené de nombreuses organisations sur place. Nous sommes autorisés à installer un camp de base du côté ouest du village. Nous dormons dans de petites tentes, mais la salle de bain en plein air et les installations sanitaires sont plutôt spacieuses. Nous mangeons ce qui est proposé, y compris toutes sortes de recettes cuisinées à partir du manioc provenant des champs autour du village. Après une petite semaine, une cérémonie incroyable, empreinte de la culture locale et de spiritualité, sera organisée pour nous accueillir et afin que les ancêtres soient favorables à notre venue. Dans le village même, et dans les environs d'Inkanamongo, toutes sortes de pièges sont installés pour attraper des chauves-souris, des rongeurs et des musaraignes. Chaque zone représente un écosystème différent. Zone agricole, forêt secondaire et forêt primaire. Les perturbations des êtres humains y sont différentes, ce qui est un critère important pour notre étude. La forêt tropicale est un véritable labyrinthe. Il y fait chaud et humide. Il n'y a pas de chemin partout et nous sommes complètement dépendants des compétences en matière de brousse de nos guides. Tout est prêt pour attraper les mammifères porteurs et propagateurs potentiels de virus. Nous attrapons les petits rongeurs avec différents types de pièges. Les écureuils, quant à eux, demandent toute une construction plutôt sophistiquée pour les attirer dans des pièges. Les chauves-souris, principaux hôtes suspects d'Ebola, sont à leur tour capturés à l'aide de filets japonais ou de pièges harpe. Au total, nous capturons plus de 380 chauves-souris, dont pas moins de 11 espèces. Le bétail, les animaux domestiques et la viande de brousse chassée par les locaux n'échappent pas non plus à un échantillonnage approfondi. Sur les chauves-souris et le bétail, nous utilisons des méthodes non-invasives, comme les écouvillons, pour obtenir nos échantillons. Dans un laboratoire de terrain situé juste à l'extérieur du village, les rongeurs et musaraignes sont disséqués. Des échantillons d'organes sont prélevés et seront examinés en Belgique, entre autres. C'est un véritable défi de travailler avec précision dans ces conditions. Nous devons à tout prix nous protéger et protéger les échantillons de toute contamination. Après un mois de travail sur le terrain, notre temps est écoulé. Nous avons beaucoup appris. Parfois scientifiquement, et parfois non. L'étape suivante de la recherche peut maintenant commencer. Il faut que nous analysions tous les échantillons récoltés sur le terrain et partions à la recherche de l'ADN et de l'ARN que les pathogènes ont pu y laisser. Il est possible que nous découvrions de nouveaux pathogènes ou même de nouvelles espèces animales. Il est probable que nous réalisions des avancées scientifiques majeures qui aideront les populations touchées par ces pathogènes à lutter plus efficacement contre ceux-ci. Quoi qu'il en soit, grâce à des projets de recherche similaires et aux résultats qu'ils apporteront, nous pourrons aider à prévenir de nouvelles épidémies et à garantir un avenir plus sain à l'environnement, aux animaux et aux humains.